Bon. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous parle maintenant parce que j'ai pas fait d'intro. Hein. Mais aujourd'hui, je reviens avec un vlog. Comme vous l'aurez vu précédemment, enfin dans les images précédentes, ça a pas été tout rose, ça s'est pas passé comme prévu. Mais bon, je sais qu'à pire, on va pas trop se plaindre. Mais bref, je vais transporter avec vous, je vais tout vous montrer. Et commençons la vidéo. En gros, ouais, ces assiettes, genre, je sais pas, attendez, parce que j'ai... En gros, guetté. Ou ça. Mais ça, c'est pas trop beau. Mais en vrai, je sais pas. Eh les gars, en fait, moi, je veux un plat carré, plat. Je vous montre une image. Carré, plat. Mais il n'y a que à Ikea, je crois. Bon, du coup, on a quitté Action. On a pris quelques petits trucs. Je vous montrerai directement tout à la fin. Et là, on va à B&M. Ancien Babou. Je pense que j'ai trouvé des trucs, je sais pas. Et après ça, on ira à Jiffy. Si tout est bon là. Oh les gars, regardez les miroirs, s'il vous plaît. Eh, j'aime trop. En plus, c'est archi pas cher. Pour ce que c'est, 25 euros, et sont archi grands. Genre, mais lui là, il m'a fait de l'œil, lui là. Il m'a vraiment fait de l'œil, mais je ne vois pas le prix. Mais j'aime beaucoup. Ah, des clochards. Comme je dis, il y a des clochards. Ça fait 2 heures qu'on est là. Enfin. Mais il est fou, pourquoi il est pas monté? Les amis, on est à J-1. Non, J- quelques heures, hein, c'est bientôt notre anniversaire là. Ouais. Oui, je n'ai même plus que mon père. Et en gros, bah là, je vais aller faire les courses pour ce qu'on va manger demain. Du coup, je fais une petite escale à Damary-les-Lys. Je sais pas si vous connaissez, pour déposer une perruque. Juste à côté, c'est-à-dire là, je dépose et je fais mes affaires. Et bon, on se retrouve à Leclerc, hein, vous connaissez. Étant donné que je vais faire un plat de fruits, je vais venir prendre tous les fruits là qu'il y a. Je pense qu'il y aura de la mangue, de l'ananas. C'est quoi, c'est de la pastèque ça? Un melon. Melon là, ananas là. Donc là j'ai pris tout ce qui est fruits. Là-bas ça commence un petit peu, ça commence. Ensuite je vais passer à la boucherie parce qu'en fait je voulais prendre des côtes d'agneau. Mais en fait il n'y en a pas ici. Genre, ou alors c'était trop cher. Mais bref, en tout cas là je suis dans le rayon coca. Vraiment choquée. Genre là, j'ai perdu ma carte. Tant à l'heure, je suis partie mettre de l'essence. Les gars, j'avais ma carte. Là, j'ai perdu ma carte. Et en gros, là, on est devant comme des cons. Et j'ai envie de pleurer. On passe à faire un total de combien? Oui, il veut bien, mais il n'y a pas ma carte. Et je suis désespérée. C'est ouais, tout ça pour au final ne pas avoir de carte. Bon, là, du coup, je vais charger mon téléphone ici. Oh les gars, j'ai envie de mourir. Genre, ouais, je sais pas si c'est la poisse ou quoi, mais déjà hier j'ai cassé mon téléphone, donc là, à minuit c'est mon anniv, j'ai rien pour truc. Et là, je perds ma carte, fais mes courses et je perds ma. Eh, c'est un délire. En fait, je crois que je vais appeler quelqu'un, encore je sais même pas qui pourra. Je crois que je vais appeler quelqu'un, la personne elle me paye, je fais un virement. Parce que là, devant Dieu, ça devient trop. Tu la connais, tu la mènes à la police parce que. Une personne que tu connais, ça c'est pas bon. Oula les gars, je vous explique. Moi je savais pas que ma carte a été sans contact. Bah du coup j'ai reçu un message de PayPal qui me disait que il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser ma carte. Donc des 50 euros, des 80 euros, des 40. Et là en gros ça a stoppé parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mon code. Et là, là il y a un instant, je viens de recevoir encore une notification où la personne en gros, on voit où elle achète. C'est-à-dire que là c'est à côté, on y va et on va voir. Parce que là, j'ai pleuré devant. Moi je pleure pas hein. J'ai pleuré. Est-ce que moi je pleure? Non. Moi je pleure pas. J'ai pleuré devant. Non, la honte, je pleure devant tout le monde. Moi je pleure pas, c'est la honte. Si on n'attrape pas la personne, je sais pas. Parce que là, c'est tout tombe. J'ai plus d'argent. Tout tombe. C'est pas possible, je peux pas concevoir ça. Toute ma vie, je suis dépité. Voilà, il y a des gens qui sont
face de moi. Ils ont dit que la personne elle avait un bonnet noir et qu'elle était noire de peau. Là, on est dans le deuxième magasin. Les gars, j'ai tellement la haine, j'ai tellement envie de pleurer. Là, en gros, les seuls sous que j'avais, c'était pour faire les courses. Là, j'ai plus. La personne, elle a tout pris. Donc là, les gars, je recommence mes courses à zéro. Je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. MK, Lida, vous la connaissez, c'est un amour. En gros, là, elle va me faire mes courses. Donc après, parce que vraiment, les gars, quand je vous dis que j'avais que ça pour faire les courses, j'avais que ça. Vraiment, MK, que Dieu te bénisse de ouf. Parce que là, en gros, je recommence tout, je ne sers personne. Leclerc, il ferme à 20h30. Il est 19h50. Bref. Je fais mes courses, j'attends MK. Et les gars, ils ont fermé ou ils ont fermé, je sais pas. Mais MK, elle est pas là. Ouais, là, je suis en train de vivre un cauchemar. Ouais, je suis d'accord. Oh, merci. Merci beaucoup. Je te dis que t'es trop belle. T'as le plus succès pour deux dames. Ouais, merci. C'est vrai qu'elle est belle. Elle est trop, trop belle. Caresse comme ça. Les gars, je crois que j'ai pété un câble. Vu de ma mère. Ils ont fermé. Et au nom de Dieu, et je fais plus. Voilà, je fais plus, frère. Et bref, voilà. Les gars, chef ma sauveuse, Lida. Moi, vous savez comment je suis soulagée. Genre, c'est vraiment ma sauveuse. Donc là, du coup, on est venu à Carrefour de Villiers. Je vais refaire un troisième panier. Eh les gars, je peux plus, hein. Troisième kaji. Je peux plus, hein. Yeah. Là, bref, un troisième kaji. Et du coup, vu qu'elle est là, bah, moi, je sais tout ce qu'il faut acheter, mais alors tu peux m'aiguiller aussi. Yende. Regardez, quand on dit Lida. Tu sais quand on dit Lida? Lida. Pour la table? Ouais. C'est qui ici là? C'est qui là qui pue là? Je viens de rentrer après une journée vraiment extraordinaire, comment vous dire. Donc bah là, je vais ranger les courses. Je vais faire la maison. On va enchaîner sur la journée, mais j'appréhende. Parce que comment c'est parti là, je sais pas comment ça va finir. J-1. On est le jour J. It's my birthday. Bref, comme j'ai dit, aujourd'hui it's my birthday. Donc là je suis grave en plein rangement de la maison. Je sais même pas si je peux vous montrer, mais elle est sale hein. Elle est vraiment sale. Donc du coup je suis en train de tout arranger. Normalement il est 15h. Le jacuzzi devait arriver à 15h. Bref, en tout cas tout ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 22 ans. Je remercie vraiment le Seigneur parce que déjà faut savoir que j'ai un problème de colère. Je sais plus c'est quoi, ceux de Snap ils savent. J'avais grave des douleurs et tout. Et je suis partie chez les médecins. Ils m'avaient dit que c'était à cause de la colère, qu'il fallait que je me calme et tout. Et vu ce qui s'est passé hier, les gars, c'était vraiment trop. Et vraiment, je sais pas comment j'aurais pu réagir. Mais grâce à Dieu, je suis restée calme. J'ai rien fait. Et MK m'a sauvé la vie. Donc en vrai, de vrai. Même si je suis une meuf, j'aime pas avoir des nyongos, vous voyez. J'aime pas avoir des dettes et tout. Je déteste ça. Je sais pas comment les gens ils font pour. Rester longtemps avec des dettes. Mais juste là pour le coup, le gars il m'avait tout pris. Il m'a vraiment tout pris. Bref. Et bref, en tout cas là, je vais reprendre le taf. Bien comme il faut. Et quand le jacuzzi il arrive, bah, je vous dis. Voilà. Ça fonce pas. Sur Snap. Insta. On a vu des petites pétales, des petits bonbons, t'as vu des petites friandises. Ah, j'ai pas vu, pas mal. On a un peu alterné les ballons et le mur, tu connais, un effet reflet. Franchement, rien à dire. C'est pas mal, thank you, hein, merci. Ouais, vas-y, t'inquiète. Bah, t'es sur le chose d'après si t'as besoin. Ouais. C'est bien apprécié. Je veux de l'argent. Donc là du coup les gars je suis vite descendue en mode hey, il est 17h39, on n'a pas fait la nourriture, pas fait de déco, rien du tout. Il y a rien les gars et la maison elle est inondée. Bref, on fonce hein. Bien sûr. Moi de base j'avais dit 20h21h mais impossible. On sera rentré à 21h. Voilà. Et on s'est acheté le gâteau, acheté la nourriture. Donc c'est ici qu'on m'a volé hein. Bref, du coup petit tour partout. Je vous mens pas là, je suis grave en mode fly. Ouais. Avec quoi en bas? Ton jean? Moi j'ai envie de prendre un bas. C'était pas. Je veux pas de bas. Mais prends le bas qui va avec. Eh, je vous jure, les gars.
Enfin, je sais pas c'est qui me maudit au nom de Dieu depuis hier. Je sais pas c'est qui me maudit. Mais là, là, il reste plus. Je peux que mourir là. La prochaine étape, c'est mourir. Au nom de Dieu, c'est une dingue. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Déjà, guettée, je suis cernée de fou malade. Ça fait des jours et des jours que je dors pas. Oh, que des problèmes. Aujourd'hui, c'était le pire. Au nom de Dieu, tu... Non, non, non. Non, je croyais qu'après hier. Non. Les gars, je... Non. Et là, dans 2 minutes, j'arrive chez moi et je vais m'évanouir. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi, c'est que je suis morte. Appelez MK, Christella. Genre, si dans 10 minutes, je suis juste là, pas. Appelez Christella et MK parce que je serai morte sûrement. Il s'est passé un truc de ouf, les gars. Et encore, là, on a bien. Pepa Mai, je sais pas comment on dit en français. Comment on dit en français, Pepa Mai? Jamais vu. Tu vas où? Acheter de l'Oasis, des Makemba ou à manger quoi? Après, on va manger quoi? Oh, les gros mots. Jusqu'à y aller, c'est d'avoir compris. La honte. Étant donné que bah, du coup il y avait l'inondation, je pouvais rien faire chez moi, donc un ami de la famille a eu l'amabilité de nous proposer une de ses salles, mais... Je suis en train de partir à la salle, et c'est des plans, des... Et je sais pas, franchement notre soirée là, notre journée même, c'était... Je comprends pas. On avait dit 22h30 pour les affaires. Hein. On dirait des gens du voyage. 22h10 nous-mêmes on est... Non, c'est vraiment... On dirait les gens du voyage, on a tout dans le coffre. Voilà, des gitans. Là on va voir la salle si... Bah, on... Y a même pas, donc on va voir si elle nous plaît, on a que ça. Donc en vrai, et après demain matin on retournera chez à la baraque et on utilise jacuzzi et tout parce que oh les gars on n'a pas utilisé jacuzzi. Bref. C'est juste que tu sens la merde, c'est pas grave. Non, imaginez j'en pue le caca. Les gars, on est ensemble, on sait pas. Oh non, c'est possible. Oh non, c'est possible. Je crois qu'on sent la merde. Elle joue, on a fait trop de travaux aujourd'hui. On sent le caca. Ouais. Oh. Et c'est fou. Malou. Bonsoir. Vous venez nous attaquer? Non. Elles sont tellement belles, ils ne peuvent pas attaquer les... L'assaisonnement? Goûte, c'est trop bon. Putain, hey, tu m'as fait peur. T'as vu, c'était quoi? Hey, je sais pas, du sang, je sais pas. MK, Christo, Mendoza. Et les nous. Et les nous. Y'a qui encore? De Mickey Loucha, Vicky Doll. Demi. Y'a un cochon. Bah, du coup, les gars, comme on dit, jamais 203. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé pendant qu'on était dans le salon en convivialité. Les gars, devinez ce qui s'est passé. Il est là le vlog, wesh. Au revoir, je vous sers. Laisse-nous les avoir. Je sais pas si vous voyez, mais. Ah, tu veux me dire là. Bien joué, bien joué, on est là. Je sais pas, tu as fait la. Inondation, j'ai inondation, j'ai plus la foi de maquiller ou quoi. Et puis, c'est moi. Qui t'a tué? Oh, il est timide. Vlog, hein. Yes, je on joue plus au undercover. Si on joue, on joue. Bon, là, les gars, on va jouer à l'undercover. On se rappelle plus tard. Ouais. Chacun on va guetter un petit peu, mais on se rappelle aussi plus tard. Voilà, bisous. Tu m'as en plus enculé. J'étais le jour 1, où est-ce qu'ils sont racontés? Ouais, c'est mais du coup, c'est elle dans le délire, wesh. Ah, t'as pas compris, wesh. Non. Mais t'as vu, elle a 5 il est là, wesh, je m'ai dit qu'il est là, wesh. Ton zizi.
Je commence. Elle, quelle heure? 6h34. Bon, il est actuellement 6h34. On s'apprête à faire un accent vérité. Vous connaissez. Ah ouais? Je vous montre pas qui joue. Là, vous ne comprenez rien. Je dis pas qui joue, mais ça joue. Vous avez qu'à voir les personnes qui étaient là avant. Et reste, ça joue. On s'attrape. Les gars, il est actuellement 9h19. Bah, ça fait 2h qu'on est en train de jouer. On continue à jouer. Est-ce que tu kiffes? C'est la fête. Tu kiffes ou pas? T'en cause. Donc bah là on fait une petite pause, petite déj bizarre, je sais même pas c'est quoi. Côte de Chine. Enfin c'est ouvert. Côte de Chine directement. Directement d'où? De Chine, ça s'explique. Et du coup bah voilà, on reprend tout à l'heure. Bisous. Hein? Ah eh, vite là, je vois que tu joues. Ah pas bien là. Attends. Vas-y, prends là. Merci d'être venu, ça m'a fait trop plaisir. Merci la mif. Merci la mif. Vas-y là, tu fais quoi la mif là? Yes. Donc viens encore, on est ensemble, My phone. Attends. Il est là. Oh, je vous manque déjà. Oh ouais. Vous êtes revenu. Ouah, trop bien. Attrape-moi. Pardon, le fils. Regarde, tu vas. T'as capté, toujours. Ouais, ce mec c'est un danseur. Moi. Oui, c'est un bon danseur. Maintenant, il a fait un pas dans cette vidéo qui a buzzé un peu. Je la roule pas, c'est. T'es vraiment nul hein. Ouais, c'est méchant. Les gars, là il y a une go Mago qui nous a rejoint. Et que s'appelle Ginny. Voilà, Ginny de Keen. Hein. À l'ancienne, je vous montrer des vidéos quand elle était petite dans cette Nanda. Donc là il est 5h du matin, je leur fais à manger. Même si dans pas longtemps on va jouer au jeu des problèmes. Pour enchaîner avec le jeu des problèmes. C'est Elena Tanchi. Présenté par Elena Tanchi. Ouais. Puis c'est le petit déjeuner dans pas longtemps. Mais. Oh. Et les gars, j'aime pas parler. Il est actuellement 6h41 et je vais vous laisser. Parce que il est 6h, je vais commencer le montage. Si Dieu le veut, elle sort aujourd'hui. J'espère que c'est pas une galère en plus de monter parce que ça va 2 minutes. Et voilà, je crois que je vais vous laisser. Bisous. On peut se regarder. J'adore, donc bref. Donc bref, on s'attrape. Salut. Mandala. Quoi? Ah putain, on recommence. Il m'a appelé comment? Mandala. Arrête là. Bon. Bah ça y est, c'est terminé hein. Parce que je vois, c'est terminé la nuit là. Mais tout le monde est KO. Tout le monde est KO. Et quelle heure? Happy birthday, c'est terminé là. Oh putain.